amis, merci de nous retrouver dans les jardins de l'Institut français pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un chamallow. Un chamallow c'est un bracelet brésilien. Alors on a ces fils là et on va passer de ça à ça. Donc vous voyez, c'est un joli bracelet qu'on va essayer de faire aujourd'hui et vous aurez ça. Voilà. Et pour ce faire, vous pourrez trouver ce matériel là dans le marché, dans les boutiques qui vendent les merceries plutôt. Voilà, vous trouverez ces matériels là-bas. Alors, pour ce faire, moi j'ai choisi 6 couleurs différentes. Et voilà, j'ai pris une longueur, vous prenez la longueur que vous voulez, qui vous suffise. Et je vais essayer de nouer ici. On va faire un petit nœud. Voilà. Et on va essayer d'accrocher. Bon, je pouvais donner à quelqu'un qu'il me tienne. Mais là, puisque j'ai pas ça, je vais essayer d'accrocher ça ici. Et on va diviser ça en deux parties de 3 fils. Vous voyez, j'ai 3 fils sur chaque partie. Donc ce qu'on va faire, vous voyez les 3 fils que j'ai, on va essayer de faire une petite tresse. Et la tresse, on va pas tresser les fils ensemble. On va tresser un fil à la fois. Donc on va prendre le fil qui est à l'extrémité, on l'amène au milieu, on prend l'autre fil de l'extrémité gauche, on l'amène aussi au milieu, ça bouge, voilà, on fait la même chose. Donc toujours on prend les fils qui sont à l'extrémité pour les ramener à l'intérieur, vous voyez. Vous voyez, les fils à l'extrémité gauche, à l'intérieur, extrémité droite, à l'intérieur. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est très facile et on avance très vite. Vous voyez? Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est très facile à faire, hein, vous avez vu. Donc, à chaque fois, il faudrait qu'il y ait 3 fils sur les extrémités. On prend toujours l'extrémité droite. On ramène au milieu, l'extrémité gauche au milieu, l'extrémité droite au milieu, l'extrémité gauche au milieu. Donc vous voyez, ça fait un jeu, comment dire, un petit jeu de couleurs qu'on a ici et ça va nous donner une belle tresse et c'est un beau bracelet pour l'été. J'espère que bientôt on se retrouvera à la plage. J'essaie de tirer pour bien positionner. Voilà.
Donc vous avez vu, vous voyez ce qu'on a. Donc c'est comme ça qu'on fait ainsi de suite, et à la fin on aura ça. On a fini de tresser notre chamallow, notre bracelet brésilien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les deux extrémités, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début. Donc c'est toujours les extrémités qu'on prend. Et avec ces deux extrémités-là, on va venir faire un nœud, comme ça. Voilà. Et on tire bien fort, ici. Donc vous voyez? Voilà. Et après, on va couper cela. On peut faire un autre nœud, que ce soit beaucoup plus serré. Voilà. Et avec ça, on pourra faire une attache. Et voilà enfin notre chamallow. Merci les amis, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour notre activité. J'espère que vous profiterez bien de cet été avec nos chamallows. Et merci de nous retrouver pour une prochaine vidéo dans nos réseaux sociaux, soit sur Facebook, dans nos pages ou sur YouTube. Vous nous trouverez aussi là-bas. Merci et à la prochaine vidéo.